Yo les gars, yo tout le monde, comment ça va les petits potes? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes chaud patate? Wesh mon marin, comment tu vas mon pote? Wesh mon pote, comment ça va mon pote? Wesh Missou, comment ça va mon pote? Pourquoi tu m'as appelé mon marin? C'est dans le chat. Ah ok, arrivé. Je suis arrivé pile au moment, t'as dit wesh mon marin. Wesh mon marin. Raconte-nous ta blague, Lonely Lodge, on saute. Vas-y go Lonely. Ok, donc c'est la blague des balles de ping-pong. Ok, la blague des balles de ping-pong, vas-y, vas-y. Donc, t'as un gars, il a joué au loto. Il a la trentaine, hein. Il a joué au loto. C'est important ça? Qu'il a la trentaine? Ouais, c'est très important. Ok. Ouais, ouais, faut vraiment que tout t'écoute. Ah il ouais? Il a joué au loto. Il a joué au loto et donc. Il attends, des gens. Attends, je vais pas t'écouter. Il va m'en rendre fou, ce rat. Non, attends, par contre, de quoi ce rat? Vas-y, on les tue. Comment ça se... Oh j'ai une cuisse c'est de poulet rat, cuisse de rat. J'ai une cuisse de poulet frère. Oh y'a un mec sur moi. C'est quoi ça? Attends, j'arrive. Mais je crois il est sur le toit. De la tour. Tu t'en sors ou pas Inox? Ouais. Oh. Je lui ai un lance-roquette gros. Un mort. Ah GG. Ouais il est sur toi je le vois. Il a sauté, il se suicide. Il s'est suicidé. Je l'ai entendu. Il a sauté, mec, j'étais mort. Mais what? Oh les gens, ils sont chelous. Genre, il a voulu mettre fin à sa vie, quoi. Ouais, il a mis fin à ses jours. Alors, du coup, il gagne au loto. Il gagne, bon, il gagne plein d'argent. Il n'y a plus personne, là. Non, il n'y a plus personne. Il gagne 1 million d'euros. Ok, vas-y, reprends. Du coup, il gagne 1 million d'euros au loto. Ok. Donc, il a un enfant. Et cet enfant... Il faisait quoi comme métier? Il était éboueur. Genre, enfin, non, même pas éboueur, c'est bien payé. Il était... Comment? C'était un smicard quoi. Ouais voilà, c'était un smicard. Du coup il gagne le loto, tout ça. Et donc son fils, c'est l'anniversaire de son fils. Son fils il a 7 ans. Ouais. C'est un mec sur moi? Non. Son fils a 7 ans. Et du coup il lui fait ouais tu veux quoi pour ton anniversaire? Et donc le fiston il fait ouais papa j'aimerais une balle de ping pong. Donc le daron il fait ok bon bah je vais aller chercher une balle de ping pong. Du coup okay. Il est pas à Carrefour, il va acheter une balle de ping pong dans le rayon, tu vois le petit rayon. Ouais. J'ai une balle de ping-pong, ouais. J'ai une balle de ping-pong. Donc il rentre, il donne okay. Le balle de ping-pong à son fils et son fiston il fait ouais, merci pas pour la balle de ping-pong. Jusqu'à là, tout est normal. Okay. Ensuite, vient l'anniversaire, son fils il a 10 ans. Ok, donc 3 ans après. Oh, trop bien! Parce que l'anniversaire. Mec, il y a un feu d'artifice. Ouais, c'est des défis. Ouais, c'est trop bien. Alors, son fils il a 10 ans. Attends, je te vais te dire dessus là. Non, c'est des zombies. Son fils il a 10 ans. Et il lui dit ouais tu veux quoi pour ton anniversaire. Ok donc là c'est 3 ans après hein. Parce que tout à l'heure elle avait 7 ans. Ouais c'est ça. Ok. Il a 10 ans. Et son père il lui fait C'est quoi cette blague trop longue? Son père il lui fait ouais tu veux quoi pour ton anniversaire. Et okay. Il dit ouais je peux t'acheter une petite Nintendo blanche light tu vois. Son fils il dit non papa j'aimerais 2 balles de ping-pong. Son père il fait bon bah ok. Okay. Il va à Leader Price cette fois-ci, parce qu'il a la flemme. Il va à Leader Price et il prend 2 balles de ping-pong. Okay. Jusqu'à là, tu comprends. Voilà, il rentre chez lui, il y a des embouteillages. Bon, ça, on s'en fout, on épargne les délais, les détails. Donc, son fils a les balles de ping-pong. Et il y a combien de temps de trajet? 15 minutes, il est à la Lidl. Ok, mais à cause des embouteillages, il y a eu genre 30 minutes. Ouais, ouais voilà, c'est okay. ça. Ok. Donc, voilà. Revient l'anniversaire, son fils a 12 ans. Donc tu vois, il commence okay. à. L'année passe, plus il devient âgé, tu vois. Ouais, c'est un pré-ado, c'est 2 ans après. Ouais, okay. C'est avant d'avoir des poils pubiens. C'est ça. Donc il a 12 ans. C'est un petit sixième et, là. Voilà, c'est un petit sixième. Et son père, il lui dit ouais, tu veux quoi pour ton anniversaire? Je peux t'emmener à Disneyland, machin. Son père, il dit non, j'aimerais. 3 balles de ping-pong. Je m'en doutais. Son père, il fait ouais. Ok, des balles de ping-pong, mais ouais, ok. Du coup, il va au champ. Là, par contre, il y a 30 minutes de route. Il va au champ, il va chercher les balles de ping-pong. Il n'y en avait plus dans le rayon. Du coup, ah ouais. Il retourne okay. Lidl. Il retourne aux sources, quoi, à l'ancienneté. Ok, à Lidl. Et il chope 3 balles de ping-pong. Donc, il rentre. Super. Donc, cette fois, c'est fluide. Hein, le trajet, tout est fluide. Super. C'est l'anniversaire du fils, il a 15 ans. Okay. Là, il commence à être un peu plus grand, tu vois. Ouais. Donc, normalement, il devrait s'intéresser à
à avoir une petite voiture sans permis ou une motocross, tu vois. Son père, il dit ouais, ouais. Ok, ok. Je t'ai pas dit, mais quand t'étais jeune, j'ai gagné au loto et tu sais, tu peux me demander un truc bien pour ton anniversaire, je te l'offrirai. Son fils dit non, papa. J'aimerais 4 balles de ping-pong et un sachet collector. C'est bizarre, mais je m'en doutais. Ah, il veut quoi avec? Et un sachet collector. Un sachet collector. Sachet collector. C'est, tu vois, c'est quand tu mets les 4 balles. Est-ce que tu joues au ping-pong? Tu mets les 4 balles dedans. Ça range les balles. C'est une pochette qui range les balles. C'est collector, quoi. Ah, ok. Bon, le père va chercher les balles de ping-pong, tout ça. Bon, viens là où et il là, a il va où 17 ans. Il va à Lidl ou à Auchan ou il va où? Là, il est allé à Intermarché. Voilà. Ah ouais. Il est allé à Intermarché. Okay. Voilà, je t'épargne les détails. Il vient où il a 17 ans, comme Michou. Il est en train de regarder Michou à la télé, d'ailleurs. Ah ouais, trop clair. Ouais, ouais, il a des... Et son père, il arrive, il fait ouais, t'aimerais quoi pour ton anniversaire? J'avoue, il a mon âge. Et le fiston, il dit ouais, pour. Un iPhone XS Max. Papa, j'aimerais bien 5 balles de ping-pong et 2 packs collector. Ah ouais. Son père, il fait ouais, mais pourquoi tu veux des balles de ping-pong? Il dit ouais, mais t'inquiète, papa, t'inquiète. T'inquiète, donne-moi des balles de ping-pong. Il a la Lamborghini, tout est bien. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, il a la Lamborghini, tout est bien. Et il va à Intermarché chercher les balles de ping-pong. Ok. Il va, il rentre, il les donne à Fonçon. Son fils, super, il est trop content. Tu sais pas pourquoi. Il a eu ses balles de ping-pong, il est trop content. Ah ouais. C'est quand même une intrigue sur pourquoi son fils il veut tout le temps des balles de ping-pong. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai. Bien l'année où le fils il a 25 ans. Donc là. Ouf, ah ouais, là c'est largement après. Là. Il va commencer bientôt à construire sa vie, avoir des enfants, tout ça. Son père mais aussi, dit, ouais. Du coup, il avait demandé quoi quand il avait 16 ans? Parce que t'as dit 15 ans, 17 ans, mais à 16 ans, il voulait quoi à 16 ans? Ah ouais, ça c'est vrai que c'est compliqué à dire. Ah ouais? Dans la blague, c'est pas très important les. Ah. Donc faut vraiment que tu te concentres sur le nombre des balles, enfin tout ça. Ok. Donc du coup, il arrive, il a 25 ans. Il dit ouais, tu veux quoi pour ton anniversaire? Donc tu sais, on est grand maintenant, on peut aller tous les deux en vacances. Voilà, on se paye un voyage à Tataouine les Bains, tout ça. Son fils il dit non papa, j'aimerais 6 balles de ping-pong et 2 packs collector. Ah encore 2 packs. Okay. Son fils il fait son père il fait ouais mais c'est quand même louche quand même, on peut partir en vacances ensemble mais tu veux des balles de ping-pong. Enfin je sais pas, tu te fous de moi? Le fils il fait non mais t'inquiète papa, t'inquiète. Son père il prend la Porsche, il a vendu une voiture, il prend une nouvelle, il prend la Porsche. Ouais, il va tranquille pas à Carrefour, le gros Carrefour, tu vois, le champ commercial qu'on a tous dans notre grande ville. Ok. Donc, ouais, bah moi y a pas moi. Albert y a pas. Hein. Y a pas, ouais, Albert aussi. Hein. Bref, voilà. Du coup, Albert ils vont dans les champs. Ils ont pas besoin d'aller au Carrefour. Albert, si tu veux du maïs, tu dois le découper dans les champs. Alors du coup voilà, il demande, j'avais dit combien, 6 et 2 packs collectifs. Donc son père il lui ramène, il l'achète dans le rayon, tout ça, feu rouge, un peu d'embouteillage, c'est pas très grave. Inox, c'est quoi cette blague? Ça fait 10 minutes putain. Mec, on a fait la moitié de la blague. La moitié de la game, c'est toi qui me racontes la blague. Ok, bon. Viens le moment où le fils, il a 30 ans. Donc, okay. Tu vois, c'est bon, 5 là, ans il a après. Une femme, il a une femme, des enfants, il est bien, etc. Ah ouais, carrément. Okay. Il arrive, son fils est devant la télé, en train de jouer à Fortnite, à 30 ans, comme Michou plus tard. Et il lui fait, ouais, fiston, tu veux quoi pour ton anniv? Est-ce qu'il a une petite canette de coca quand il joue à Fortnite? Ouais, ouais, une petite canette de coca. Ah et, ouais, voilà, c'est exactement voilà. Moi plus tard. Hein. Il y a les tutos de Michou pour apprendre à jouer, tout ça. Donc, ah il ouais. Il est bien casé devant sa télé. Quoi. Ok. Voilà, est-ce qu'il est abonné au Insta de Michou, Michou Croûte tiré du bas? Ouais, ouais, et sur Fortnite, il a mis le code créateur Inox Tag aussi. Non, il a mis le code créateur Michou Croûte, hein. Je crois qu'il a mis les deux, en fait. Ah ouais, c'est vraiment le beau gosse. Voilà. C'est ça, c'est un beau gosse. Bref, du coup, arrive le jour où il a 30 ans. Son père, il dit, tu veux quoi pour ton anniversaire? Devine quoi? Son fils, il répond, 7 balles de ping-pong. Attends, sois pas trop pressé. Okay. Son fils, il répond 7 balles de ping-pong et 3 packs collector. Alors là, le père, il commence vraiment à se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il me veut avec ces balles de ping-pong, quoi? Le mec, il a 30 ans et il demande des balles de ping-pong. Mais attends, j'ai une question. Est-ce qu'il est chinois, le mec? Le mec, il fait des blagues dans ma propre blague. Ok, on va dire que c'est un chinois africain. C'est un chinois africain français. Il est les trois. Ok. Alors du coup, ouais. Il fait ça, il dit... c'est un peu bizarre, mais ouais. Ouais. Il dit, ouais papa... Enfin là, du coup, il a 30 ans, il est allé au Lidl et tout, il a acheté ses balles de ping-pong, son père.
Mm-hmm. Tout va bien. Le fils, il a 40 ans. Déjà, on a un peu. Ah ouais. Il a 40 ans et non, on apprend qu'il a des petits soucis de santé. Ah ouais. Oh non, le pauvre. Donc son père, il aimerait lui dire, mais c'est pas très grave. Son père, il... Oh putain, il y a deux mecs sur moi. J'arrive, j'arrive. Attends, je suis loin. Hein. Attends-moi, Inox. Non, meurs pas, Inox. Médaille. Je vais meurs pas. Je t'attends. Par contre, du coup, faudrait que tu reprennes depuis le début parce que là, sinon, je vais perdre. Je t'attends. Tu t'en sors? Vas-y, va dans la zone, va dans la zone. C'est moi lance-roquette, hein. Ah, il est trop chaud. Enfin, il est pas trop chaud, mais ils ont trop de machin. Ok, il y en a, il a plus de vie. Je mets de la potion. Ah ouais, là, ils sont un deux sur moi, là. Ok, je vais monter, je vais prendre la hauteur, même si j'ai pas assez de vie. Ils sont où? Sur moi. Waouh, mec, ils sont chauds, hein. Ouais, c'est pas des merdes. Ils se démerdent. Ouais. Ok, un terre. Ok, bien vu. Le dernier sur moi, moins 100. Où? Sur moi, en haut. Tu peux casser, tu peux tout casser, tu me réanimes. Non, vas-y, je le fais tomber. Ok. Ah, je peux plus. Il se heal, hein. Ok. Je me mets un medikit. Il tombe. Il est où? Sur moi, au-dessus. Il est encore au-dessus. Je me mets un medikit. Non, il va me niquer. Non, je me mets un medikit. Non. Il y a la tempête. Il est où? Je suis un putain de mongol. Ok, il tombe. Bien que tu l'as eu. Tu l'as eu ou pas? Non. Mais mec, j'arrive dans son bac. Il est okay, mort. Bien joué, Mich. J'ai un medkit si tu veux. Ouais, j'en ai un aussi, c'est bon. Oh non, laisse-moi la scar. Ok, bien vu. Ok, bien vu, Michou. Oh, GG Inox. Nice. Bon, du coup, là, on était. Il a 40 ans. Non, reprends au début, sinon je vais être perdu. Ok, donc je recommence. C'est un mec qui gagne au loto. C'est un mec qui gagne au loto. Du coup, il a 40 ans, il commence à avoir des petits soucis de santé, mais c'est vraiment des petits soucis, tu vois. Okay. Donc ça va. Des trucs pas trop graves. Voilà, tu lui dis, tu veux, t'offres quoi? Si tu veux, on se fait une balade en stand. Mm-hmm. On va dans un parc d'attractions. Mais pas, est-ce qu'il y a des gens là qui connaissent la blague du ping-pong? En vrai, elle est rare. Parce que dans le chat, il y a personne qui connaît là. Hein. Donc voilà, mais écoutez bien le chat, vraiment écoutez bien. Parce qu'il faut vraiment. Est-ce que vous connaissez les gars? Est-ce que vous connaissez? Vraiment écouter. Okay. Non mais Michou, faut pas que tu regardes le chat. Ok, excuse-moi. Du coup, il arrive, le gars, il a 40 ans, il dit ouais papa, je veux 8 balles de ping-pong et 4 sachets collector. 40 ans, là il veut. Ah ouais, ok, là ça se voit, il a des projets dans la vie là. Ouais, je pense qu'il a sincèrement des projets, je crois qu'il fait un trafic de balles de ping-pong. T'as dit combien de balles de ping-pong? 8 et 4 packs collector. Ok. Donc ah ouais, okay. Voilà, tout ça. Son père va à Lidl, tout ça, il y va. Et il lui fait. Il va voir le vendeur, il dit est-ce que vous restez des balles de ping-pong? Le vendeur il dit oui, il reste des balles de ping-pong. Il va lui ramener. Ton fils, il a 50 ans. Et là, il a été analysé d'une maladie. Mais vraiment, parce qu'il avait eu des petits problèmes de maladie. Et là, c'est grave ou pas? Il a une maladie, ça peut commencer à être grave. Ah ouais. Commencer à être grave. Donc il a 50 ans et il fait. Ouais papa, bon, je te demande avant que tu me demandes, mais j'aimerais bien 10 balles de ping-pong et 5 sachets collector. S'il te plaît papa. Ok. Son père a dit, fiston, je comprends pas, tu veux tout le temps des balles de ping-pong. Toute ta vie t'as voulu des balles de ping-pong. Enfin, dis-moi pourquoi. Son fils dit, mais t'inquiète pas papa. Son père il y va, un peu blasé parce qu'il se dit, voilà mon fils il me demande rien, j'ai plein d'argent, il me demande rien. Ok. Et donc son père il fait... Fait ça, il va chercher les balles de ping-pong. Il la ramène à son fils et il est ultra content. Tout le temps, il est content quand il a ses balles de ping-pong. Il est trop heureux. Voilà. Mais attends, Inox, est-ce que t'as des balles d'air? Ouais, j'ai pas des balles de ping-pong par contre. Hein. Ah non, j'ai pas de balles d'air. J'ai pas de balles non, d'air. Non, mytho. Ah, je te jure, j'en ai pas. Mec, c'est la dèche, hein. J'en ai pas non plus, hein. Viens, on va essayer de trouver des boîtes à mines. What? Attends, mais t'as là. Oh. Les enfants, rangez-vous deux par deux là. Ah mais toi c'est la merde sur toi là. Rangez-vous deux par deux. Voilà. Oh, il y a eu trois kits. Ah grave. Alors du coup là le fils il a 60 ans. Ok ouais. Et il a un cancer. Donc ah, dans deux ans il. Enfin il, le cancer il est prévu pour dans deux ans. Ok ah ouais. Ah merde. Et il dit attends, il y a ma mère qui m'appelle. Allô maman. Ah, il y a deux mères qui t'appellent là. Ok.
Oh, c'est bon. Ça, c'est dans la blague ou c'est vraiment vrai? Non, non, c'est vraiment vrai. C'est vraiment... Mais c'est bon, c'est bon. Du coup, okay. Il a 60 ans et son père était... Ouais, bon, tu veux quoi pour ton anniversaire? Tu sais, enfin, c'est bientôt, je sais que t'as un souci de santé et j'aimerais bien faire un truc avec toi et tout. Et il dit, ouais, papa, bah, j'aimerais que pour ma fin de vie, tu me donnes 10 balles de ping-pong et 8 packs collector. Là, le père, il commence vraiment à blaver. Il a les larmes aux yeux, le père. Ah ouais? Il dit, fiston, s'il te plaît, dis-moi juste pourquoi. Ouais, il est quoi. Il comprend pas. Il dit, t'inquiète, papa, t'inquiète pas. Chaque fois, il lui dit, t'inquiète pas, il doit dire... Viens, on va là. Il va se passer un truc. Ouais, il dit, il prépare quelque chose. Voilà, il prépare un bail, tu vois. Alors là, le fiston... Ils sont énervés, les zombies, là. Merci, papa. Le père, il y va, tranquille. Va chercher ses balles de ping. Ouais. Un an après, le fils, il va bientôt mourir. Mais vraiment bientôt. C'est son dernier anniversaire, tu vois. Genre, on sait pas vraiment quand, mais ils ont dit d'ici 2-3 jours, il meurt ou d'ici une semaine, tu vois. Ok. Donc, tu vois, il y a des gens. Est... Oh, j'ai pris une sale balle. Sa mort est imminente. Attends, j'ai pris une sale balle là. Ils sont où? Là, ils arrivent. Ok, ouais, je vois. Ah, mais ils sont back, bouge pas. Mais non, ils sont pas back là, ils nous rushent. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Oh putain, ils ont les pompes de ouf. On va se faire exterminer, gros. Ouais. Je crois que nous aussi on est en fin de vie là, Inox. Ouais, je crois. Nous aussi on est en fin de vie, Michou. Inox, je voudrais que tu me donnes des balles de ping-pong avant que je meure. Je vais t'en donner. Regarde, je vais attendre qu'il te rush. Je reste sur ma constru. Ah ouais, du coup t'attends qu'il. Ah ouais, sympa. Il sera derrière. T'es tranquille toi ou pas? Ou je descends avec toi? Non, je suis pas du tout. Ah non, il est sur moi. Il est pile sur moi là. Mais là j'ai full zombie sur ma gueule, moi. Moi je me bats avec les zombies, hein. Un mort, un merde, Michou, un mort. Vas-y, un mort, j'ai... Ah, j'arrive. J'ai un tremblin. Vite, viens. J'arrive, hein. Je suis juste en dessous de toi. J'ai plus de construit. Il reste son pote, je crois. Au-dessus. Il a plus de vie. Mort. Bien joué, Michou, t'es très fort. T'es le meilleur. Tiens, je mets un feu de camp. Vas-y. Oh, j'avais un kit, non? Oh merde, je suis trop con. T'as le stuff de l'autre? Oh, je suis un baiser. T'as le stuff de l'autre? Non. Oh merde, pourquoi j'ai mis le feu de camp là? Ouais, t'aurais pas dû. C'est pas grave, t'inquiète, je me régène bien. Ok, tant mieux. Tant mieux, j'ai une... Du coup, ouais. Le fiston, c'est son dernier anniversaire, il doit mourir le lendemain ou dans 2-3 jours. Ah enfin, ouais, on sait ok, pas. On sait vraiment pas, on sait que c'est imminent. Là, il a 60 ans là. Voilà, ouais, il a 61 ans. Ok. Et là, son père a dit, bon bah c'est ton dernier anniversaire, fiston. Je veux que tu m'offres un cadeau et je veux que tu me dises au moins, voilà, dis-moi pourquoi tu voulais toutes ces balles de ping-pong. Le fils il dit, t'inquiète papa. Il dit, non, je m'inquiète là, tu vas bien, c'est bientôt fini là, tu te rends pas compte. Le fils il dit, ouais, tu pourras plus m'expliquer quoi. Ouais, voilà, il dit, oui papa. Bon, si tu veux, je vais te le dire. Là, son père dit, merci, parce que ça fait depuis des années que j'attends et que, là, vraiment, je veux savoir ce que tu en fais de ces balles de ping-pong quoi. Le fils il dit, ouais bah papa, en fait toutes les balles de ping-pong, j'ai utilisé et il meurt. C'est là. Non tu mens. Attends, tu rigoles là. Inox, on a fait toute une game où tu me racontes cette blague. Non, tu rigoles, non, arrête, tu mens. Non, mais maintenant, je veux savoir. Là, dans ma tête, c'était une série, le truc. C'était ça, là. What? Bon. Oh, c'était quoi ce qui s'est passé? Il a pas aimé ma blague, lui. Il a pas aimé du tout, mec. What? Mec, c'est quoi qu'on s'est pris, là? Non mais attends, vraiment, c'était pas ça ta blague. Désolé le chat pour cette blague. Non mais c'était vraiment ça? Oui Michel. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne secondaire, voilà, ça fait plaisir. Et moi je vous aime, gros bisous les gars.